Salut les amis, je suis Rémi. Bienvenue dans ce journal consacré aux animaux et rien qu'à nos amis les animaux. Pour ce numéro, nous allons lire le courrier électronique que notre ami Ted nous a envoyé. On le découvre ensemble. Bonjour Rémi, moi je veux savoir ce qu'il y a entre le chimpanzé et le bonobo. Le chimpanzé et le bonobo sont des singes des savanes boisées et des forêts humides de l'Afrique équatoriale. Ils se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, le bonobo est parfois appelé chimpanzé nain ou chimpanzé pygmée. Comme les autres singes, le chimpanzé et le bonobo sont des mammifères qui font partie de l'ordre des primates. Ce sont deux très proches cousins et ce sont aussi les animaux les plus proches de l'homme. Le chimpanzé et le bonobo sont à peu près de la même taille. Ils mesurent environ 80 à 90 cm de haut et peuvent atteindre 1,20 m quand ils se sont redressés. Cependant, le bonobo est plus mince que le chimpanzé. Il ne dépasse pas 45 kg, tandis que certains chimpanzés peuvent peser 60 kg. Chez le chimpanzé comme chez le bonobo, les mâles sont plus robustes et plus lourds que les femelles. Le chimpanzé et le bonobo sont surtout végétariens. Ils mangent des tiges, des feuilles, des fruits, de l'écorce, mais ils consomment aussi des invertébrés tels que les insectes. Les chimpanzés peuvent chasser en groupe et tuer des animaux plus gros, comme par exemple les jeunes babouins. Le chimpanzé et le bonobo sont très à l'aise dans les arbres. Au sol, ils se déplacent surtout à quatre pattes, mais ils peuvent marcher debout sur quelques mètres. Le bonobo marche plus souvent que le chimpanzé. Le chimpanzé et le bonobo deviennent de plus en plus rares. Ce sont des espèces menacées. Ils sont victimes de l'abattage des forêts où ils vivent, ce qui réduit leur habitat, ainsi que de la chasse. Donc, nous devons les protéger. J'espère avoir répondu à ta préoccupation, Ted. Merci les amis d'avoir regardé ce journal consacré aux animaux. On se revoit une autre fois. Salut !